Bonjour. On peut commencer, il me semble. Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente, c'est le docteur Amrani. Je suis maître assistant à l'hôpital central de l'armée. Je suis chargé de vous présenter le cours intitulé Tumeur de vessie. Donc, au terme de cette présentation, on devrait atteindre certains objectifs, des objectifs qui représenteraient vos connaissances en termes de tumeur de vessie. Étant des généralistes, de futurs généralistes ou pourquoi pas futurs urologues. Donc, nous allons essayer d'atteindre les objectifs suivants. Vous devriez connaître les signes cliniques devant faire rechercher une tumeur de vessie. Si éventuellement il y aura un patient qui se présente à votre consultation, étant généraliste ou autre, pour une suspicion de tumeur de vessie, vous devez connaître les signes qui vous orienteront vers ce diagnostic. Vous devez savoir aussi orienter et ordonner des examens complémentaires qui conduiraient à ce diagnostic, même étant généraliste, et aussi connaître les grands principes du traitement et du suivi d'un patient présentant une tumeur de vessie. Pourquoi ceci? Parce que même étant généraliste, et si vous serez quelque part, il y aura forcément un patient qui présente une tumeur de vessie qui est suivie ailleurs et pour une raison ou une autre, il ne pourrait pas se déplacer. Alors, vous serez en mesure de le prendre en charge temporairement, momentanément, le temps qu'un urologue spécialisé intervienne. Donc, au terme de cette présentation, on va essayer d'atteindre ces différents objectifs. Nous allons procéder par le plan suivant, qu'on va détailler comme suit. Donc, en définition, la tumeur de vessie
Qu'est-ce la tumeur de vessie? Ce sont des tumeurs développées aux dépens de la paroi vésicale. La paroi vésicale étant constituée de trois couches. La muqueuse, c'est la couche la plus interne, suivie de la musculeuse, ou appelée communément le détrusor, c'est le muscle vésical, et la troisième couche est l'adventice. Il faut savoir qu'en matière de cancer de vessie, le cancer le plus représenté est c'est une tumeur urothéliale, donc elle se développe aux dépens de l'urothélium vésical. Pour cela, on distingue trois types de tumeurs de vessie. Les TVNIM, ou tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, elles représentent 70% des tumeurs lors du diagnostic, c'est la plus fréquente. Les TVIM, ou les tumeurs de vessie infiltrant le muscle, elles représentent 25% des tumeurs au moment du diagnostic. Et bien sûr, les tumeurs de vessie métastatiques. Heureusement, elles se font rares. Elles ne représentent que 5% des tumeurs au moment. Principale caractéristique de la tumeur de vessie étant la récidive et la progression. La récidive, c'est une tumeur qui récidive souvent, même surtout en cas de traitement conservateur. Et c'est une tumeur qui est aussi exposée au risque de progression. Donc la tumeur progresse de la muqueuse vers la musculeuse et vers l'adventice. Donc, l'intérêt de la question, fréquence, c'est le deuxième cancer urologique après celui de la prostate. Donc, en matière d'épidémiologie, c'est le deuxième cancer en matière de fréquence. Le diagnostic suspecté essentiellement devant une hématurie qui représente le principal signe d'appel. C'est le principal signe d'appel. C'est pour ça qu'on se dit toujours que toute hématurie est une tumeur de vessie jusqu'à preuve du contraire. C'est ce qui imposerait une exploration biologique et radiologique qu'on verra par la suite. Le traitement repose essentiellement sur la RTUV, qui est la résection transurétrale de vessie, qu'on verra par la suite aussi. Elle constitue une étape diagnostique et aussi thérapeutique. Le traitement se divise en trois chapitres. On a soit le traitement conservateur, si la tumeur est non infiltrant le muscle, représentée par la résection transurétrale, avec un traitement adjuvant en fonction du risque de récidive et de progression. On a le deuxième chapitre qui est le traitement radical. Si nous sommes devant une tumeur de vessie infiltrant le muscle, c'est une tumeur évoluée et représentée par la cystectomie chez la femme et chez l'homme, ainsi la cystoplastie ou la dérivation urinaire, qui constituent des options thérapeutiques. Le traitement palliatif, ça, on se propose dans le cas où le patient présente une tumeur de vessie métastatique qui échappe à tout traitement, à toute approche thérapeutique conservatrice ou radicale. Le pronostic, il dépend essentiellement de la clinique, le degré de l'hématurie, le type histologique de la tumeur, son stade, son grade et son évolution, surtout en matière de récidive. Donc, plus la récidive est rapprochée, plus la tumeur est de mauvais pronostic. Plus le type histologique est particulier qu'on verra par la suite, plus la tumeur peut être de mauvais pronostic. Le stade et le grade également. Aussi, en matière de survie, une tumeur de vessie chez non infiltrant le muscle, la survie à 5 ans représente 90%. Le patient a 90% de chances de survie à 5 ans après le diagnostic. En cas de tumeur de vessie infiltrant le muscle, le risque s'amoindrit. Il est à 45%. Quant aux tumeurs de vessie métastatiques, elles sont que de 10%. Ça, c'est en matière d'intérêt de la question. Pourquoi nous allons aborder cette tumeur? C'est pour toutes ces raisons. Quant aux facteurs de risque, cette tumeur de vessie, elle ne survient pas chez tout le monde. Elle survient chez certains patients qui présentent certains facteurs de risque. Même, on a pu voir aussi des tumeurs de vessie chez des patients qui ne présentent aucun facteur de risque. Mais pour la plupart des cas, les facteurs de risque doivent être recherchés. Ils sont représentés comme suit. Le tabac, c'est le principal facteur de risque. Un patient tabagique présente trois fois plus de risques de développer une tumeur de vessie qu'un patient non tabagique. Ceci n'élimine pas la tumeur de vessie chez un patient qui n'est pas tabagique. Le deuxième facteur de risque est représenté par les intoxications professionnelles en matière d'hydrocarbures aromatiques, plasturgie et les fonderies. C'est certains métiers chez qui on a vu que la tumeur de vessie a une fréquence plus élevée que d'autres métiers. La bilharziose urinaire, c'est une infection urinaire par le germe Schistosoma hématobium. L'irritation chronique et l'infection vésicale à répétition. Le sondage vésical à demeure, un sondage qui dure longtemps pour une pathologie obstructive du bas appareil urinaire à type d'hypertrophie prostatique,
ou le sondage vésical, bien sûr, prolongé, et la présence de lithiase également. Toute lithiase entraîne une irritation au niveau de la muqueuse, et cette irritation, cette cicatrisation, ce phénomène d'asyncicatrisation peut conduire aussi à une tumeur de vessie, à une dégénérescence de cette muqueuse. On a aussi des facteurs d'irradiation pelvienne. Pour un patient qui a subi une irradiation pelvienne pour quelconque tumeur, une tumeur de la prostate, une tumeur osseuse du bassin, l'irradiation constitue aussi un risque de dégénérescence. Quant aux facteurs nutritionnels, on retrouve les additifs, les graisses, le café et le rôle protecteur des bêta-carotènes, des fruits et de la vitamine C, ainsi qu'une alimentation végétale. Ceci, c'est par rapport aux facteurs de risque. Quant aux circonstances de découverte, la tumeur de vessie peut être découverte de différentes manières. Soit c'est un patient qui se présente en consultation, vont orienter cette tumeur de vessie, telle que principalement l'hématurie. Elle est macroscopique, c'est une hématurie constatée à l'œil nu. Le patient vient vous dire, voilà, docteur, en urinant ce matin, je retrouve des urines rougeâtres ou carrément avec des stries de sang ou des caillots de sang. Elle est souvent terminale. Elle survient en fin de miction et elle est le signe le plus fréquent. Parfois, elle peut être responsable d'une rétention aiguë d'urine en cas de caillotage. Si par exemple c'est une tumeur qui saigne beaucoup, le sang aura le temps de se coaguler et d'empêcher une éventuelle miction et être responsable par la suite d'une rétention aiguë. Dans ce cas-là, il faut contre-indiquer le cathéter suspubien. Si on suspecte une tumeur de vessie chez un patient, on n'a pas le droit de le cathétériser d'une manière par voie suspubienne parce qu'on risque d'essaimer et d'essaimer cette tumeur. L'hématurie, il faut savoir, peut être microscopique dans de très rares cas, que 5%. On peut aussi avoir des troubles urinaires irritatifs à type d'impériosité, polakyurie, brûlure mictionnelle en l'absence d'infection, bien sûr. Pourquoi ces troubles urinaires irritatifs? Si on a une tumeur volumineuse, elle va diminuer la capacité vésicale. Elle va occuper la presque totalité de la lumière, elle va empiéter sur la capacité vésicale. C'est pour ça que le patient va présenter une polakyurie, parce que là, sa vessie se remplit pour des quantités de plus en plus minimes. Donc, au lieu d'uriner 300 cc chaque 4 heures, il va uriner 100 cc chaque 30 minutes. Le deuxième facteur qui pourrait nous révéler une tumeur de vessie, c'est les signes cliniques évocateurs d'extension loco-régionale ou à distance. C'est en cas de tumeur de vessie métastatique. Le patient va se présenter en premier lieu pour une altération de l'état général. Une altération de l'état général sans facteur de risque de dénutrition, de stress, va nous faire évoquer et penser à une tumeur. Parmi tant d'autres tumeurs, on retrouve la tumeur de vessie. On peut avoir aussi des douleurs lombaires, une insuffisance rénale par envahissement des méas, parce que la tumeur peut envahir les méas et elle peut les comprimer. Si elle va les comprimer, elle va entraîner une insuffisance rénale obstructive. Il y aura un retentissement sur le appareil urinaire, dilatation, qui dit dilatation par la suite à long terme, une insuffisance rénale. Les signes évocateurs de métastase, surtout les douleurs osseuses, c'est en premier lieu. Donc, comme la découverte peut être fortuite par une échographie ou dans le cadre d'une autre pathologie, le patient présente une brûlure mictionnelle ou il se fait suivre pour une cholécystite ou une colique hépatique et au moment du diagnostic échographique, on fait une échographie réno-vésico-prostatique ou abdomino-pelvienne. En passant la sonde sur le pelvis, on peut constater à vessie vide une tumeur. Donc là, c'est dans le cadre de la découverte fortuite. Aussi, le quatrième mode de diagnostic, c'est le dépistage individuel. Chez certains patients particuliers, c'est des patients qui ont eu un long passé d'exposition à un des facteurs de risque, quelqu'un qui a travaillé dans l'industrie des amines aromatiques. C'est surtout ça. Par contre, chez les tabagiques, c'est un tabagique qui présente une hématurie, on doit tout de suite penser à un petit et l'éliminer, bien sûr. Donc, le dépistage individuel peut être envisagé en cas de facteur de risque reconnu, intoxication tabagique ou exposition diagnostique initiale où le dépistage se fait par bandelette urinaire. Quant au diagnostic, le diagnostic, on va passer par une méthode normale, comme en sémiologie de troisième année. On va commencer par l'interrogatoire. On va lui demander au patient, bien sûr, son âge, parce que c'est une pathologie qui survient à tout âge, mais particulièrement à un âge un peu plus avancé. Des antécédents de tumeurs de vessie réséquées antérieurement ou d'une tumeur de la voie excrétrice. Vous allez se poser la question, pourquoi une tumeur de la voie excrétrice? Parce que si on a une tumeur au niveau des reins,
c'est-à-dire au niveau de la voie excrétrice, un peu plus haut, elle peut migrer à travers le flux urinaire jusqu'à la vessie et s'implanter. Et on aura une dissémination de cette tumeur. Parce que même au niveau des cavités piéliques caliciennes, on a de l'urothélium. On recherche aussi dans l'interrogatoire la notion de facteur de risque, une exposition professionnelle, un tabagisme passif ou actif, sa durée, sa chronologie et la date de début des symptômes. Si c'est un patient qui se présente pour une hématurie, on doit forcément lui demander depuis quand évolue cette hématurie. Si vous dites depuis 2-3 jours, ça va nous faire penser peut-être à autre chose, à une infection urinaire par exemple. Mais si c'est évolué depuis longtemps, on doit s'attendre à un retentissement physique. On peut avoir une hématurie clinique, on peut avoir une hypotension, une pâleur. C'est pour ça qu'on doit préciser la chronologie des symptômes, ainsi que la présence de signes irritatifs. Ça aussi, elle pourrait évoquer une tumeur de vessie qui est en train d'engendrer ces signes irritatifs par son volume. Voilà. Aussi, il faut rechercher des signes d'anémie chronique, comme je viens de le dire, et bien sûr une altération de l'état général en cas de tumeur évoluée. Après l'interrogatoire, on va passer à l'examen physique. L'examen physique, il faut savoir qu'en matière de tumeur de vessie, il est pauvre. Pourquoi? On va voir. Il est peu contributif en cas de tumeur de vessie non infiltrant le muscle. C'est une tumeur localisée à la vessie. Donc, tout ce qu'on pourrait avoir, c'est une hématurie isolée ou associée à des signes irritatifs. Les signes irritatifs sont l'urgenturie et la polacurie. C'est un patient qui urine fréquemment, mais il urine en petite quantité. La différence entre une polacurie et une polyurie, la polyurie, c'est des mixtions fréquentes et complètes, c'est des mixtions d'un volume conséquent. Par contre, la polacurie, c'est des mixtions fréquentes, mais d'un petit volume. On ferme la parenthèse. En cas de tumeur de vessie infiltrant le muscle, qui pourrait aussi être une tumeur de vessie métastatique à un stade évolué, il faut rechercher des signes d'extension loco-régionale ou à distance, par un examen clinique général et urologique particulièrement, qui doit être complet. On verra un schéma par la suite. C'est surtout le toucher pelvien. Les touchers pelviens, c'est le toucher rectal. On recherche un blindage pelvien. La tumeur de vessie est dure et elle pourrait être palpée à travers le toucher. Palpation abdominale et lombaire. On recherche une masse hypogastrique si c'est une tumeur évoluée. Des douleurs lombaires par obstruction urétérale. On aura une urétéro-hydronéphrose. On aura de gros reins, une grosse voie excrétrice qu'il faudrait rechercher par le contact lombaire. On peut avoir aussi des signes d'anémie chronique, une pâleur cutanée ou muqueuse, une polypnée, une dyspnée, une fatigue intense. Tout ça doit être recherché à l'examen physique. Même s'il est pauvre, on doit rechercher tous ces signes. Là, quand vous voyez, on a un schéma qui représente le toucher rectal en matière de vessie. Voici le rectum. Lorsqu'on introduit le doigt, on voit que vous voyez là. Et bien sûr, au-dessus, il y a la vessie. Donc, le palpé bimanuel, on comprime la paroi abdominale avec la main gauche et on essaye de percevoir la vessie au-dessus de la prostate. Si c'est une vessie tumorale, elle pourrait être dure, elle pourrait être perçue. Là, on parle de plancher vésical. On pourrait apprécier le plancher vésical à travers le toucher rectal, qui est très, très, très important en matière d'urologie. Maintenant, si on va passer, on a interrogé notre patient, on l'a examiné. Maintenant, on est en droit de passer à autre chose pour étayer ce diagnostic. C'est un patient qui se présente pour une hématurie. On lui a demandé, on a fait le tour de la question en matière d'antécédents, en matière de facteurs de risque, en matière d'âge. On a aussi examiné le patient. On a trouvé que c'est un examen pauvre. On a besoin d'examens complémentaires. On va essayer d'étiqueter cette hématurie, qu'elle soit due à une tumeur de vessie ou à une autre raison. Donc, ces examens complémentaires vont nous aider à confirmer le diagnostic de tumeur de vessie ou l'infirmer en faveur d'autres étiologies de tumeur de vessie. Donc, on va commencer par une cytologie urinaire. Qu'est-ce que la cytologie urinaire? C'est un examen. On recueille les urines du matin et on va les analyser, pardon, chez un laboratoire d'anatomopathologie. Il va essayer de rechercher des cellules tumorales qui seront éliminées dans les urines à travers la desquamation de la tumeur. On pourrait retrouver des cellules tumorales dans une étude des urines. Mais seulement, il faut savoir que ces cellules pourraient être retrouvées dans les urines seulement si c'est une tumeur de haut grade, notamment de haut grade, comme vous venez de lire. Le deuxième examen à pratiquer chez un patient, c'est l'échographie
suspubienne ou endorectale, bien sûr. Elle détecte les tumeurs polypoïdes supérieures à 5 centimes, 5 mm, pardon. C'est un des. Donc, si c'est une tumeur plane, l'échographie pourrait passer à côté de cette tumeur de vessie. Elle doit être polypoïde et supérieure à 5 mm. Elle nous aide à faire le diagnostic différentiel avec un caillot sanguin. Donc, il faut savoir qu'en matière de caillot sanguin, la différence entre lui et une tumeur vésicale, c'est que le caillot, là par exemple, si vous voyez, c'est une échographie, c'est un exemple d'échographie d'une tumeur de vessie, la tumeur de vessie est fixée à la paroi. Donc, si on demande au patient de bouger, la tumeur restera fixe dans la paroi, elle ne va pas bouger. Par contre, le caillot, il va bouger. La deuxième différence, c'est que la tumeur de vessie, si on va activer le mode Doppler pour étudier la vascularisation, elle sera vascularisée. On verra un flux sanguin afférent et efférent. Par contre, le caillot sanguin, il est avasculaire. On ne retrouve pas de flux sanguin afférent ou efférent. Il faut savoir aussi qu'une échographie normale, c'est quand le radiologue nous répond, il nous dit que absence d'épaississement de la paroi vésicale, c'est-à-dire absence d'anomalie détectée à l'échographie, nous ne sommes pas en droit d'éliminer la tumeur de vessie parce qu'on peut avoir une tumeur plane qui occuperait n'importe quel endroit de la tumeur de vessie et le radiologue pourrait passer à côté de cette tumeur. C'est par insuffisance de l'échographie, c'est parmi les limites de l'échographie. On peut avoir aussi l'échographie endorectale si le patient est obèse ou si la vessie est vide, mais elle est rarement pratiquée en matière de tumeur de vessie. Le troisième examen complémentaire, c'est la cystoscopie ou la résection transurétrale de vessie. Faire la cystoscopie, si doute diagnostique persistant malgré une échographie normale. Si nous sommes devant un patient qui présente une hématurie, qui nous oriente beaucoup plus à travers l'interrogatoire et à travers notre examen clinique vers une tumeur de vessie. Et quand on a déjà fait une échographie, et le radiologue nous répond, il n'y a pas de stigmate en faveur d'une tumeur de vessie. Donc le doute persiste quant à cette tumeur de vessie. Si le doute persiste, nous sommes en droit, bien sûr, de demander une échographie, une cystoscopie. La cystoscopie, c'est introduire un fibroscope optique doté d'une caméra dans la lumière vésicale et explorer toute la lumière vésicale. On va voir ça un peu plus tard. Donc, en général, le patient est adressé avec une échographie qui évoque le diagnostic de tumeur de vessie. À ce moment-là, l'étape de cystoscopie est optionnelle. Donc, si nous avons un patient qui se présente en consultation d'urologie ou autre pour être adressé et qu'il est muni d'une échographie, la cystoscopie n'a plus d'intérêt parce que là, la seule échographie suffit à poser le diagnostic d'une tumeur de vessie. Donc, en cas d'échographie qui est positive, qui nous indique la présence d'une tumeur de vessie, la cystoscopie devient optionnelle. On n'en a pas besoin vraiment. Donc, par rapport à la RTUV, la résection est à la fois un geste diagnostique, parce que la résection transurétrale de vessie, c'est une intervention qui commence par une exploration de la vessie. On va faire une cartographie de la tumeur qu'on verra un peu plus loin. Donc, on va faire le diagnostic et en même temps, on va réséquer. On va réséquer cette tumeur afin de confirmer que c'est une tumeur de vessie et de bien sûr avoir des éléments anatomopathologiques qui nous guideront pour la suite de la prise en charge. Donc la résection est à la fois un geste diagnostique afin d'obtenir un examen anatomopathologique de la tumeur et thérapeutique en cas de tumeur de vessie non infiltrant le muscle. Là, quand vous voyez, c'est le cystoscope qu'on utilise pour la cystoscopie. Vous voyez, là, c'est une source de lumière et un câble. Et là, on l'introduit par voie naturelle, par le méa urétral, chez l'homme ou chez la femme, jusqu'à la vessie, où on aura des images cystoscopiques. Là, c'est le déroulement du geste. Comme vous voyez, le patient est en décubitus. En général, c'est en position gynécologique. On introduit le cystoscope par voie naturelle jusqu'à la vessie, et on aura l'image que vous arrivez à deviner un peu ici. Là, c'est un schéma. Donc, on introduit le cystoscope là, c'est pour la résection aussi. Là, vous voyez, c'est un semblant de tumeur. La résection, là, c'est des copeaux de résection. Et là, c'est la muqueuse vésicale vue de l'intérieur. Donc, une fois qu'on introduit le cystoscope, avoir les deux méas urétéraux peuvent être envahis par la tumeur, qui peuvent être comprimés par une tumeur juxtaméatique et qui peuvent eux aussi accoucher une tumeur. Une tumeur qui se développe au niveau du bas uretère, elle va être accouchée ici. Donc là, vous voyez que c'est le trigone, tout ça c'est le trigone, et tout ça c'est la muqueuse
vésicale. Là, c'est le col. Donc, en matière de tranche de section, là, c'est la muqueuse et ça, c'est le détrusor, le muscle vésical. Donc, là, c'est l'aspect qu'on voit classiquement pour une tumeur de vessie. Même si elle est belle à voir, elle est très néfaste. Donc là, vous voyez, c'est l'anse de résection. Là, on s'apprête à réséquer cette tumeur. La réséquer, pour la résection, c'est un électron, c'est pour en... Hi. Pardon, docteur, on ne vous entend pas. Donc là, je pense que c'est bon. Oui, docteur. Très bien, c'est parfait. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, c'est un résecteur qui est doté d'un courant électrique qui va nous permettre à la fois de réséquer, de couper cette tumeur à sa base et de procéder à la coagulation parce que c'est une tumeur qui est très vascularisée. Donc, on va l'amputer à son lit vasculaire. Il faudrait par la suite faire une coagulation pour éviter un saignement. Là, quand vous voyez, c'est le lit de résection avec la coagulation tout autour. On devrait prendre une partie du muscle pour l'analyser afin d'avoir la certitude quant à l'infiltration de cette tumeur. Est-ce que c'est une tumeur juste superficielle ou elle a infiltré le muscle et les autres organes? Bon, à travers la résection, on peut avoir que la confirmation d'infiltration ou non du muscle. Là, les copeaux de résection ressemblent un peu à ceux-là. Là, c'est l'anse de résection. Ça, c'est le résecteur. Donc, ça ressemble un peu à ce produit. C'est ce produit qu'on va adresser pour une étude anatomopathologique qui va confirmer le diagnostic de tumeur de vessie et bien sûr nous orienter sur le degré d'infiltration des différentes couches de la vessie. Toujours dans le chapitre diagnostic, les examens complémentaires. Donc, quand vous venez de voir ces copeaux qu'on a adressés pour études anatomopathologiques, l'anatomopathologiste va nous répondre concernant le type histologique qui est dans 90% carcinome urothélial, 10% autres types, carcinome épidermoïde, adénocarcinome et des carcinomes neuroendocrines ou sarcomes. Les 10% représentent des formes très, très agressives de cancer de vessie. Le stade tumoral, l'anatomopathologiste aussi, après avoir analysé ces copeaux, nous répond sur le degré, à savoir si c'est une TA, T2 ou T1 pardon, ou T2, qu'on va voir. On va voir la classification un peu plus tard. En cas de tumeur de vessie infiltrant le muscle, la résection ne permet pas de préciser s'il s'agit d'un stade T2, T3 ou T4, parce que la résection s'est arrêtée juste au niveau du muscle. Donc, on n'a pas une vue, on n'a pas une estimation de ce qui se passe après ce muscle. Donc, l'anatomopathologiste va nous répondre uniquement s'il s'agit d'un TA, d'un T1 ou un T2. T3 à T4, il ne peut pas trancher parce qu'on n'a pas quitté la vessie. On est toujours dans la lumière vésicale. On n'a pas perforé l'adventice pour savoir s'il y a une extension au-delà de la vessie ou pas. C'est tout à fait normal. Donc, seule la pièce opératoire de cystectomie ultérieurement, si c'est un T2, permettra une stadification définitive de la tumeur. Si la tumeur, elle va nous indiquer si la tumeur a atteint les autres organes adjacents ou pas. L'anatomopathologiste aussi doit nous renseigner sur le grade tumoral. C'est le degré de différenciation de la tumeur de vessie. C'est un facteur prédicteur de son agressivité. Donc, ça a un intérêt pronostique pour se prononcer par rapport à la survie globale. Il faut savoir que les tumeurs sont classées en tumeurs de néoplasie de faible potentiel de malignité ou bas grade, qui représente le bon pronostic, et de haut grade, mauvais pronostic. Le grade tumoral est précisé pour toutes les tumeurs, à savoir les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle, aux tumeurs de vessie infiltrant
le muscle. Là, quant au examen, au bilan d'extension, donc quand on fait le diagnostic d'une tumeur de vessie, on doit savoir si cette tumeur a infiltré la vessie et a atteint les organes adjacents ou est carrément métastatique ou pas. Pour ceci, on va procéder par des examens. En cas de tumeur de vessie, on infiltre le muscle. C'est-à-dire que c'est une tumeur qui est toujours limitée à la vessie, qui n'a pas atteint le muscle. Donc, elle n'est pas censée avoir quitté la vessie. De ce fait, le bilan d'extension ne se justifie pas parce qu'on est toujours localisé à la vessie. Seul l'uroscanner aurait une indication si la localisation tumorale synchrone, si on suspecte une localisation synchrone dans le haut appareil urinaire. Ou bien sûr, il est indiqué aussi, il est recommandé si la tumeur initiale est volumineuse, si c'est une tumeur volumineuse et qui pourrait être de haut grade. À ce moment-là, on est en mesure de demander un uroscanner. Par contre, le bilan d'extension s'impose dans la tumeur de vessie infiltrant le muscle. Si l'anatomopathologiste va nous répondre et nous dit que c'est une T2. Ça veut dire que c'est une tumeur de vessie qui a infiltré le muscle. À ce moment-là, je sais qu'elle n'a pas si elle l'a dépassé ou non. Pour le savoir, la résection ne me suffit pas, je vais faire un bilan d'extension. Qu'on commence par la TDN tomo-thoraco-abdomino-pelvienne. Elle va nous aider à l'évaluation d'un éventuel retentissement sur le roux appareil urinaire. On verra les reins et la voie excrétrice. Si c'est une tumeur qui a atteint les urtères, qui les a comprimés, on pourrait apprécier le degré de souffrance du haut appareil urinaire à travers la TDM thoraco-abdominopelvienne. Elle nous aide aussi à la recherche d'une tumeur concomitante du haut appareil urinaire. Si c'est une tumeur de la voie excrétrice associée, on peut aussi faire l'évaluation de l'extension loco-régionale et à distance de la tumeur. Ceci, c'est en cas de métastase au niveau des organes de voisinage ou à distance, métastase pulmonaire ou hépatique ou osseuse, même osseuse. La scintigraphie osseuse, elle est justifiée devant un signe d'appel. Donc, si c'est un patient qui présente une tumeur de vessie infiltrant le muscle et qui n'a pas de signe d'appel en faveur d'une localisation osseuse, on ne fait pas de scintigraphie. Mais s'il présente des douleurs osseuses pelviennes au niveau du bassin ou au niveau des côtes, du rachis, là, on est obligé de faire une scintigraphie osseuse afin d'éliminer d'éventuelles localisations osseuses. Là, c'est par rapport au bilan d'extension. Une fois qu'on a fait le bilan d'extension, on peut classer notre tumeur. On a fait le diagnostic d'une tumeur de vessie à travers la résection. On a fait notre bilan d'extension. Donc, on est en mesure de classer cette tumeur par la classification TNM, Tumor Node Metastase. Node, c'est ganglion. Donc là, vous pouvez trouver un peu partout. C'est les différents stades de la tumeur. TA, TIS, carcinome in situ, PT1, c'est une tumeur papillaire de grade variable avec infiltration de la lamina propria, mais sans infiltration du muscle. Le T2 est divisé en deux parties. Le T2A, c'est le muscle superficiel. Le T2B, c'est le muscle profond. Le T3, c'est envahissement du tissu périvésical. T3A, microscopique ou T3B, macroscopique. Et le T4, c'est l'atteinte des organes de voisinage. C'est la même chose par rapport aux métastases. Donc là, comme vous voyez, c'est un petit schéma qui pourrait, vous orienter. Là, quand vous voyez, on a des tumeurs superficielles, juste au niveau de la muqueuse. Là, c'est une tumeur qui a atteint le muscle superficiel. Quand vous voyez là, c'est le muscle superficiel. Là, c'est le muscle profond. Donc là, c'est un T2A. Là, c'est un T2B. Et là, c'est une tumeur qui a carrément quitté la vessie et qui s'est étendue aux différents organes, probablement, elle est même métastatique. Donc, nous arrivons au chapitre traitement. Donc, sachez que le traitement de référence constitue la résection transurétrale de vessie, plus ou moins instillation endovésicale d'un produit qu'on verra un peu plus tard, un peu plus haut, en fonction du risque de récidive et de progression. Ce risque est apprécié à travers les quatre catégories de risques. Le risque faible, le risque intermédiaire, le haut risque et le très haut risque. Nous avons des critères qu'on connaît en urologie qui nous orientent et qui nous disent que c'est une tumeur de risque faible de récidive et de progression ou de risque intermédiaire, haut risque ou très haut risque. Là, c'est un peu poussé pour vous. Vous êtes juste censé savoir qu'il y a différents risques de progression et de récidive qui sont représentés par ces quatre catégories. Donc, si on commence
par le traitement de la tumeur de vessie non infiltrant le muscle. C'est une tumeur de vessie qui est confinée à la vessie, qui n'a pas atteint le muscle. À ce moment-là, la simple résection transurétrale nous suffit. Donc, elle doit être complète et assez profonde pour permettre l'analyse anatomopathologique du muscle vésical. Donc, si je fais une résection et que l'anatomopathologiste me dit c'est une tumeur de vessie, oui, c'est un carcinome urothélial, mais je n'ai pas pu analyser le muscle parce que je ne l'ai pas vu. Moi, durant ma résection, j'ai été insuffisant, je n'ai pas ramené le muscle. Je ne suis pas en droit de dire que c'est une tumeur superficielle parce que je ne connais pas l'état du muscle sous-jacent. Je dois refaire la résection pour ramener du muscle et le donner à l'anatomopathologiste pour une éventuelle étude du muscle. Donc, un second look ou une seconde artilugie systématique dans un délai de 4 à 6 semaines est recommandé dans 3 cas. Quels sont ces 3 cas? En cas de tumeur de stade T1 et ou de grade élevé. Parce qu'après 4 à 6 semaines, on doit vérifier l'absence de récidive et confirmer ce grade. En cas de tumeur volumineuse et ou multifocale, c'est une tumeur qui a été si volumineuse qu'on n'a pas réalisé la résection totale en une seule séance. On doit reprendre le malade 4 à 6 semaines plus tard. Et bien sûr, comme je viens de citer en premier, en cas d'absence de muscle identifié lors de la résection initiale. Quant aux instillations endovésicales, c'est un traitement adjuvant. Vous savez qu'en matière, on dit néo-adjuvant, c'est avant le geste, et adjuvant, c'est après le geste. Nous, on a des instillations endovésicales adjuvantes à la résection. Ces instillations, c'est quoi? Une fois qu'on a réséqué, il y a des schémas pour diminuer le risque de récidive et de progression. Donc, le but des instillations est de réduire le risque de récidive d'une tumeur de vessie non infiltrant le muscle, surtout si elle est multifocale, supérieure à 3 cm, avec antécédent de TV et délai entre le récidive qui est court. Donc, je tâcherai d'instiller des produits, on va les voir un peu plus bas, afin de diminuer ce risque. Et bien sûr, de diminuer le risque, le deuxième risque de tumeur de vessie, qui est la progression. Donc, la progression, c'est quoi? On l'a dit un peu plus haut, c'est l'évolution d'une tumeur de vessie non infiltrant le muscle à une tumeur de vessie infiltrant le muscle. Je vais instiller ces agents, qu'ils soient chimiques ou immunologiques, afin de diminuer ces deux risques. Les deux types d'instillation sont soit la chimiothérapie intravésicale par mitomycine C, le nom commercial c'est l'amétisine, soit de l'immunothérapie par le bacille de Calmette et Guérin, le BCG, Immucyst, Oncotys, ça c'est le nom commercial. Pardon, l'instillation se fait pour la mitomycine au lendemain de la résection. On va procéder au sondage du patient, bien sûr en l'absence de contre-indication. On va introduire ce produit dilué et on va le laisser en contact de la muqueuse vésicale pendant 2 heures. Pareil pour l'immunothérapie. Les deux mécanismes d'action, la première c'est une chimiothérapie comme son nom l'indique, la deuxième c'est une immunothérapie. Elle va induire une réaction immunitaire avec libération des cytokines. Ces cytokines vont s'attaquer aux tumeurs, pardon, aux cellules tumorales qui pourraient être résiduelles au cours de notre résection. Par exemple, on a réséqué, mais on a laissé quelques cellules tumorales comme résidus. C'est le rôle de l'immunothérapie. Son rôle c'est d'éliminer ces résidus. Donc, ça va nous aider à diminuer le risque de récidive et de progression. Concernant le deuxième chapitre du traitement, ça concerne les tumeurs de vessie infiltrant le muscle. Là, on a une tumeur de vessie qui n'est plus localisée à la vessie, probablement. Donc, le traitement de référence est chirurgical. À ce moment-là, on doit être radical. Si vous vous souvenez un peu plus haut, on a dit le traitement conservateur en cas de tumeur de vessie non infiltrant le muscle, qui est représenté par la RTUV qu'on vient de détailler. Maintenant, c'est un traitement radical. La tumeur, là, elle est infiltrante. Elle a infiltré le muscle. Elle pourrait présenter le pire. Le pire serait quoi? C'est la métastase, c'est l'extension aux organes de voisinage. Si on aura une métastase et extension aux organes de voisinage et à distance, on a une espérance de vie limitée. Donc, on va essayer de sauver ce patient. Donc, on va être radical. On va procéder à l'ablation totale de la vessie et de la prostate chez l'homme. Pourquoi, vous allez vous poser la question, pourquoi, si on a juste une tumeur vésicale, pourquoi procéder à l'ablation de la prostate? Parce qu'on a remarqué que avant, chez des patients chez qui on réalisait une cystectomie simple, et en laissant en place la prostate, il y a eu des récidives prostates. Donc, par la suite, on a décidé de procéder à l'ablation de la vessie et de la prostate en un seul temps. Ça, chez l'homme. Et chez la femme, c'est la pelvectomie antérieure. Ça veut dire quoi? C'est l'exérèse en bloc de la vessie, de l'utérus
et de la paroi antérieure du vagin qui est au contact de la vessie. Ça, c'est pour des marges de sécurité pour éviter toute récidive ultérieure. Bien sûr, il faut savoir que ces deux gestes, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, sont associés à un curage ganglionnaire ilio-obturateur bilatéral et systématiquement associé au geste. Si ce patient, si c'est un patient ou une patiente, on a procédé à l'ablation de la vessie. Vous savez que le rôle de la vessie, c'est un réservoir d'urine entre une mixtion et une autre. Nous, on va uriner. Après avoir uriné, on reste 3-4 heures sans uriner. Pourquoi? Parce que nous avons un réservoir qui va collecter les urines produites par le rein. Donc, le rôle de la vessie, c'est un réservoir d'urine entre deux mixtions. Ce patient, on va le priver de ce réservoir. Donc, ses reins vont continuer à produire des urines et qui seront déversées dans les uretères. Les uretères ne sont plus au contact de la vessie vu qu'il n'en est plus une. À ce moment-là, on doit réaliser une dérivation urinaire. C'est quoi? C'est aboucher ces deux uretères à différents dispositifs qui peuvent être cutanés, c'est-à-dire l'urtère est abouché directement à la peau, on stomie, c'est-à-dire on va directement on va appareiller ces sutures, ces orifices dans des poches. Donc le patient va uriner à travers sa peau dans des poches qui pourra changer et vider d'un temps à l'autre. Bien sûr, ça c'est l'urétérotomie cutanée. On a aussi le deuxième dispositif, c'est quoi? Au lieu de faire deux uretères, un de chaque côté, on va prendre une anse intestinale de 10 à 15 cm, c'est l'iléan en général, qu'on va fermer d'un côté et laisser ouvert de l'autre côté. Et dans cette anse, on va joindre les deux bouts des uretères. Donc, elle sera constituée par, au lieu de lui offrir, de lui faire subir deux trous de part et d'autre, on va aboucher uniquement le bout distal de cette anse afin de lui offrir en quelque sorte l'avantage d'avoir une seule stomie au lieu de deux. Ça, c'est le briquaire. On a aussi des dérivations internes lorsque l'état du patient le permet. C'est quoi? On va prendre un bout d'intestin. Cet intestin, on va le confectionner, on va le modifier d'une manière à en créer un petit réservoir qui sera abouché à l'urètre et les uretères seront abouchés à ce réservoir. C'est ce qu'on appelle la néovessie. Vous allez mieux comprendre à travers ces schémas. Donc là, quand vous voyez les deux reins qui donnent naissance aux uretères, les uretères sont abouchés à la peau après avoir ôté la vessie. Donc un trou à droite et un trou à gauche au-dessus de la ceinture. Le deuxième type de dérivation, c'est quand vous voyez là, c'est le briquaire que j'ai décrit à travers l'anse intestinale. Donc, les uretères accolés à cette anse intestinale qui elle-même sera abouchée à la peau. Donc, avoir un seul orifice de stomie est toujours mieux que deux. Et là, c'est les néovessies. Les néovessies, on a différents types, mais il faut savoir seulement que c'est une anse intestinale qu'on va conditionner d'une manière à en créer un réservoir. Ce réservoir, on va y aboucher les deux uretères. Lui-même sera abouché à l'urètre. Donc, c'est une vessie, néo-vessie, mais qui n'est pas dotée d'un muscle. Donc, elle ne va pas se vider toute seule. Il faut apprendre au patient à pousser pour comprimer cette anse intestinale et expulser les urines. Ça, c'est une idée, c'est une manière sommaire de vous expliquer c'est quoi la dérivation urinaire. Parce que vous serez confronté peut-être ultérieurement à voir des patients qui présentent des stomies. Vous êtes censé savoir c'est quoi cette stomie et c'est quoi ce réservoir. Que présente le patient? Parce qu'on a eu affaire à des consoeurs qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les dérivations urinaires. Donc, ils ne seront pas en mesure de les gérer ou de les orienter. Toujours dans le chapitre traitement, en matière de tumeurs de vessie infiltrant le muscle, on a d'autres méthodes thérapeutiques. Le traitement radical représenté par l'exérèse de la vessie, de la prostate chez l'homme, la vessie, l'utérus et la paroi antérieure du vagin peut être associé. S'il n'est pas réalisé, par exemple, on peut faire un traitement trimodal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en premier lieu une résection transurétrale de vessie qui doit être complète, associée à une radiothérapie et une chimiothérapie. Ça, c'est lorsque le patient refuse le geste ou chez un patient chez qui le geste pourrait être néfaste. Et c'est un patient âgé, multitaré et tout, on peut procéder au traitement trimodal. Il faut commencer par une résection transurétrale de vessie, suivie d'une radiothérapie et d'une chimiothérapie. On a aussi la chimiothérapie néo-adjuvante ou adjuvante. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, néo-adjuvante, c'est avant le geste. Elle va nous aider
à avoir plus de confort. Si c'est un patient qui présente une tumeur de vessie infiltrant le muscle, on va lui administrer de la chimiothérapie neoadjuvante. Elle va faire quoi? Elle va diminuer le volume tumoral, nous offrir plus de confort quand on va procéder au geste, et aussi, elle va diminuer les micrométastases, éliminer les micrométastases, donc elle va prolonger la survie. Comme elle peut être adjuvante en cas où nous avons une tumeur qui, après avoir opté pour l'exérèse de toute la vessie, on peut avoir des tumeurs évoluées. À ce moment-là, on est en droit aussi de prescrire une chimiothérapie adjuvante après le geste. On a aussi la cystectomie partielle. Si, par exemple, on a un sujet jeune avec une toute petite tumeur de vessie infiltrant le muscle, mais qui n'est pas généralisée à toute la paroi vésicale, qui a atteint uniquement une partie mobile, bien sûr, il y a des conditions pour la réalisation de cette cystectomie partielle. Au lieu de le priver de tout son réservoir, on va procéder à l'exérèse d'une partie. La partie concernée par la tumeur et refermer la vessie, il aura gardé son réservoir. On a aussi les traitements palliatifs. Comme on a vu le traitement conservateur, la résection transurétrale de vessie, le traitement radical, qui est la chirurgie et l'exérèse de la vessie. On a aussi le traitement palliatif. Quand est-ce le traitement est devenu palliatif? C'est lorsque on ne peut pas offrir un traitement curateur au patient. C'est un patient qui présente une tumeur de vessie métastatique. Et le traitement palliatif peut être représenté par une radiothérapie seule ou une résection itérative. À chaque fois que le patient va présenter une récidive, on va procéder à la résection. C'est pour lui offrir une lumière vésicale plus large, pour éviter aussi les signes irritatifs et le saignement. On peut faire aussi une chirurgie palliative. Si c'est une, on peut faire une cystectomie palliative avec urétérostomie ou néphrostomie. Quand est-ce qu'on le fait? Lorsqu'on a par exemple un patient qui est âgé et qui saigne beaucoup, sa tumeur, elle est responsable d'une hématurie abondante. Cette hématurie aurait des conséquences cliniques et biologiques. On a par exemple une hémoglobine à 6, à 3. C'est un patient qui souffre de ce saignement, qui saigne tout le temps. Sa tumeur de vessie saigne tout le temps. À ce moment-là, on peut réaliser une cystectomie de confort. On va ôter ce réservoir qui est en train de saigner et aboucher ses uretères à la peau. Mais ce n'est pas un geste curateur, c'est un geste de confort. C'est pour diminuer les effets secondaires et le retentissement de cette hématurie. Toujours dans le chapitre traitement, pour les tumeurs de vessie métastatiques, le traitement de référence est une chimiothérapie à base de sel de platine. Ça, c'est en cas de tumeur de vessie métastatique, bien sûr, associé à la résection éventuellement. Le suivi, c'est un patient qu'on a opéré, que ce soit une intervention conservatrice, radicale ou palliative, c'est un patient qu'on ne peut pas lâcher dans la nature. On doit le surveiller. Donc, la surveillance, les modes de surveillance. L'objectif de la surveillance, c'est dépister les récidives. Ça, c'est en cas de tumeur de vessie non infiltrant le muscle. C'est un patient chez qui on a réalisé, et on s'est contenté uniquement d'une résection de sa tumeur. On n'a pas ôté toute la vessie. À ce moment-là, l'objectif, c'est de dépister les récidives et prévenir la progression. Parce que, comme on a dit en premier lieu, c'est une tumeur qui est très récidivante et très progressive. Donc, pour guetter cette récidive et éviter la progression, on doit guetter la récidive très précocement pour éviter la progression. Donc, des contrôles endoscopiques réguliers, représentés par la cystoscopie qu'on a vu plus haut, associés à des cytologies urinaires, bien sûr, pour détecter la desquamation des tumeurs éventuelles. Bien sûr, un neuroscanner est réalisé chaque 2 ans à la recherche d'une tumeur de vessie une tumeur de la voie excrétrice, une tumeur qui est ou située sur l'appareil urinaire. Ça, c'est dans le cas de tumeur de vessie non infiltrant le muscle. Pour la tumeur de vessie infiltrant le muscle, c'est un patient chez qui on a réalisé une exérèse de la vessie. Comment on va le surveiller? L'objectif d'abord, c'est de dépister et traiter précocement une récidive locale ou métastatique. L'examen de référence, l'examen de référence est représenté par l'examen abdominal et les touchés pelviens, ainsi que la recherche de toute masse pelvienne ou abdominale. Le suivi paraclinique repose essentiellement sur la TBM thoraco-abdomino-pelvienne, c'est le scanner du thorax, de l'abdomen et du pelvis, à la recherche de l'apparition d'adénopathie ou de métastases qui sont passées inaperçues lorsqu'on a fait le diagnostic. Ça, c'est le suivi oncologique en matière de cancer.
Maintenant, c'est un patient chez qui on a ôté la vessie. Il y a aussi une surveillance fonctionnelle privée de son réservoir. Donc, l'objectif de ce suivi fonctionnel est d'apprécier le bon fonctionnement de l'appareil urinaire. Il faut vérifier si ces dispositifs de stomie et de néovessie ne sont pas obstrués, ne sont pas sténosés, ils ne font pas souffrir les reins. Donc, ceci se fera à travers la diurèse, quantification de la diurèse. Si par exemple, on a deux orifices de stomie, un orifice qui, le patient boit 2 litres, un orifice me ramène 1 litre 800 et l'autre me ramène 200. C'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas une équité entre les deux reins, donc il y a un rein qui souffre. Il faut explorer ça. Et bien sûr, le dosage de la créatinémie qui reflète la fonction rénale et bien sûr aussi des examens morphologiques du haut appareil urinaire représentés par l'uroscanner. En conclusion, sachez que toute hématurie est une tumeur de vessie jusqu'à preuve du contraire. Donc, devant tout patient qui présente une hématurie, je dois confirmer cette hématurie à travers la bandelette urinaire, l'étude cytobactériologique des urines, et bien sûr, ceci va me permettre d'éliminer une éventuelle infection, et bien sûr de confirmer l'hématurie, et aussi une échographie afin de dépister et de débusquer, bien sûr, une éventuelle tumeur de vessie. Les principales caractéristiques de la tumeur de vessie sont la récidive et la progression, il faut que ça soit ancré en tête. Le pronostic et le traitement dépendent du grade tumoral. Bien sûr, quand je dis grade tumoral, c'est tumeur de vessie infiltrante ou non infiltrante de muscle. La surveillance étroite est nécessaire pour tester précocement les récidives. Si on va les dépister précocement, on va les prendre en charge précocement, on va ainsi éviter leur progression. La suppression des facteurs de risque est aussi importante pour diminuer les récidives. Donc, si c'est un patient qui est tabagique et qui vient pour un tumeur de vessie, chez qui j'ai réalisé le geste, qu'il soit conservateur ou radical, je dois insister sur lui pour arrêter toute intoxication tabagique. Si c'est un patient qui travaille dans l'industrie des amines aromatiques, je dois insister aussi auprès de lui pour arrêter son travail, ou bien sûr pour qu'il soit transféré. Donc, on lutte contre les facteurs de risque, on la guette, et bien sûr, il faut faire le diagnostic précocement. Il ne faut pas négliger une hématurie. Il faut insister sur ça. Là, si vous voulez, c'est les références bibliographiques qui m'ont permis de vous constituer ce cours. Là en bas, vous avez mon adresse email en cas de besoin ou en cas de complément, d'explication ou d'incompréhension, bien sûr. Je demeure disponible à vos questions et à vos interrogations. En principe, ce que vous avez vu durant ces quelques minutes, vous serez suffisant, largement suffisant pour répondre aux questions d'examen, bien sûr. Là, on passe aux questions si vous en avez. Alors là, c'est les questions. Pardon. Bon, il y a une question, pourquoi il y a une anémie? Comme on a dit, ou c'est un patient qui n'a pas consulté à temps devant cette hématurie. C'est un patient qui est en train de saigner à chaque miction. Chaque miction, il perd du sang. Donc, au bout de 2, 3, 4 mois, il y aura un retentissement de cette hématurie. C'est du sang qu'il est en train de perdre. C'est une déperdition du capital hémoglobine. Donc, à long terme, on peut avoir une anémie. Il y a quelqu'un qui vous a répondu. Oui, le toucher rectal est très important en matière de tumeur de vessie. Non seulement il pourrait nous renseigner bien sûr sur la prostate,
mais sur le degré d'envahissement pelvien, passer le muscle. On pourrait le percevoir au toucher rectal. On pourrait avoir un plancher vésical qui est très dur au toucher rectal. C'est à ce moment, c'est un facteur qui nous orienterait beaucoup plus sur la difficulté opératoire et bien sûr sur l'état d'avancement de la tumeur sur le plan local. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une preuve anapath si l'écho montre peut avoir aussi un diagnostic différentiel d'une tumeur, une lithiase par exemple. C'est l'anapath qui va confirmer. Donc sans anapath, on ne peut pas se prononcer et dire qu'un patient présente une tumeur de vessie. Et comment est-ce qu'il s'agit d'une tumeur vésicale? Il faudra d'abord évoquer pour envoyer les compositions. Voilà, tout à fait. Donc la cystoscopie, il faut savoir que la cystoscopie, on a deux types. Donc, soit c'est une cystoscopie simple avec le cystoscope que je vous ai montré tout à l'heure, le noir à l'optique. Là, elle nous aide juste à faire le diagnostic. Ce n'est pas un dispositif doté d'un résecteur. La cystoscopie peut être aussi associée ou durant une résection transurétrale de vessie. Chez un patient qui vient chez moi avec une échographie indiquant la présence d'une formation bourgeonnante au niveau de la vessie, c'est un patient que je vais programmer au bloc opératoire pour une RTUV, résection transurétrale de vessie. La résection transurétrale de vessie, elle a une double fonction. C'est une cystoscopie. Je pourrais visualiser toute la lumière vésicale et en même temps, je procéderai par la suite à la résection transurétrale, bien sûr, de cette tumeur. Donc, la cystoscopie seule, c'est quelque chose, et la cystoscopie qui est réalisée durant la résection, c'est autre chose. Donc, la RTUV, c'est une cystoscopie plus résection, et aussi, on a la cystoscopie seule. Donc, il faut différencier les deux. D'accord, c'est pour ça que j'ai dit. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, mais la résection, c'est fait par la cystoscopie. Or, il a dit qu'elle était optionnelle. Je parle de la cystoscopie diagnostique seule. Je ne parle pas de la résection. La résection, elle est importante. C'est la pierre angulaire du diagnostic. C'est la première étape thérapeutique et diagnostique. Est-ce que la cytologie urinaire est sensible pour cancer de vessie? Si elle est positive. Je n'ai pas bien saisi la question, je vais essayer de répondre tout de même. Donc, il faut savoir que la cytologie urinaire, on pourrait détecter des cellules tumorales résultantes de la desquamation de la tumeur si seulement cette tumeur est de haut grade de malignité. Pour les tumeurs de faible grade de malignité, on peut ne rien trouver sur la cystoscopie. Pardon, la cytologie. La cytologie, si elle est positive, elle va nous orienter, elle va nous dire qu'il y a une tumeur au niveau de l'urothélium, quel que soit le niveau de l'urothélium. Ça peut être au niveau de la voie excrétrice supérieure ou de la vessie. Mais elle ne va pas nous préciser, nous dire que c'est une tumeur, pardon, de la voie excrétrice ou de la vessie. Elle va juste nous dire qu'il y a une tumeur urothéliale quelque part sur la voie excrétrice. D'accord. Mais en cas de tumeur de bas grade, il n'y aura rien à la cytologie. Non, vous n'êtes pas censé connaître qui classe le patient à faible ou haut risque. D'accord? C'est des critères anatomopathologiques et cliniques. Ça relève du sort de l'urologie. Et ça ne sera pas une question d'examen, rassurez-vous. Je voulais confirmer, merci. Docteur. Vous pouvez nous réexpliquer la partie sur la recherche du blindage pelvien OTR. Est-ce que l'uroscanner est optionnel ou systématique en cas de TVNIM? Donc, si c'est une tumeur qui a atteint le muscle, d'accord, le muscle sera dur, sera infiltré, l'adventice aussi. Cette tumeur pourrait être perçue à travers un blindage. Quand je dis blindage, ça veut dire dureté. C'est une vessie qui est dure, son plancher est dur. On le perçoit au-dessus de la prostate, donc on perçoit une dureté de la base de la vessie. C'est de ça le blindage pelvien. En matière d'uroscanner, oui, il est optionnel en cas de tumeur de vessie non infiltrant le muscle. Par contre, avant, il est optionnel, mais il faut savoir qu'on est en droit de le réaliser.
Quand est-ce? Si la tumeur est multifocale, si par exemple on a différents bourgeons sur toute la lumière vésicale, si la tumeur elle est trigonale, pourquoi trigonale? Le trigone, il se situe entre les deux méas. Donc là, qu'est-ce que j'ai à l'idée? J'ai à l'idée une tumeur de la voie excrétrice supérieure qui a migré vers la vessie, que je dois rechercher et éliminer à travers un neuroscanner. C'est les deux situations où je suis en droit de faire un neuroscanner devant une tumeur de vessie non infiltrant le muscle, quand je suspecte une localisation du haut appareil urinaire. Vous pouvez résumer les indications thérapeutiques, s'il vous plaît, docteur. Bien sûr. Donc, l'indication thérapeutique, ça dépend du grade tumoral. Si c'est une tumeur de vessie non infiltrant le muscle, c'est une tumeur superficielle. À ce moment-là, on se contente, je ne sais pas ce que vous m'entendez. Ben, si quelqu'un peut écrire « bac », si vous m'entendez. Oui, on vous entend, docteur. Ah, très bien, c'est parfait. Donc, les indications thérapeutiques devant une tumeur de vessie non infiltrant le muscle superficiel. J'ai réalisé ma résection. L'anatomopathologiste m'a dit « Docteur, rassurez-vous, vous avez une tumeur de vessie, mais vous m'avez apporté le muscle. Je l'ai analysé et la tumeur ne l'a pas atteint. Donc, c'est une tumeur superficielle. » Là, je dis « Dieu merci, c'est une tumeur gentille. Qu'est-ce que je vais faire ? » Je vais faire, c'est une tumeur qui est exposée au risque de récidive et de progression. Pour diminuer ces risques, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais opter pour une instillation, pour un traitement adjuvant. C'est quoi le traitement adjuvant ? Il est de deux types, soit l'immunothérapie, soit la chimiothérapie. C'est des instillations endovésicales. Je sonde le patient et j'introduis le produit que je veux instiller et je le laisse au contact de la vessie. Ceci va diminuer le risque de progression et de récidive. Ça, c'est dans le cadre de la tumeur de vessie non infiltrant le muscle. Je m'arrête là? Non. Il y a toujours à l'esprit le risque de récidive et de progression. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ce patient, je vais le revoir régulièrement et je vais réaliser chez lui des cytologies, oui, bien sûr, pourquoi pas, mais surtout des cystoscopies. Seul, sans résection, bien sûr, avec le premier cystoscope qu'on a vu. Si vous voulez le revoir, on va le revoir, il n'y a pas de souci. Bon. Pardon, je n'arrive pas à le revoir. Bon, est-ce que vous vous souvenez du cystoscope noir qu'on a vu avec la fibre optique? Hapec, il va nous servir à faire des cystoscopies régulières pour diagnostiquer précocement une éventuelle récidive. Donc, j'ai reçu un patient, je lui ai réalisé, je refais, je redis, j'essaie de réexpliquer, j'ai réalisé chez lui une résection transurétrale de vessie. L'anatomopathologiste m'a répondu, voilà, docteur, c'est une tumeur gentille qui n'a pas atteint le muscle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des instillations endovésicales pour retarder, différer, diminuer le risque de progression et de récidive. D'accord. Mais... D'accord, j'ai fait les instillations chez lui. Toujours, il présente le risque de récidive. Je vais le surveiller étroitement. À travers quoi? 3 mois après la résection, je vais le revoir en consultation. Je vais réaliser chez lui une cystoscopie. Bien sûr, après un ECBU négatif. D'accord? Ça, c'est un détail technique. Je réalise chez lui une cystoscopie à 3 mois. Je vais chercher une éventuelle récidive, une tumeur que je dois voir. Si je retrouve une tumeur, je le réadmets pour le même protocole. Si je ne trouve pas de tumeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le revoir 3 mois plus tard encore. Et à chaque fois, au bout d'une année, s'il n'y a pas de récidive, je vais le revoir à 6 mois. Donc, je vais espacer la fréquence de surveillance en fonction de l'absence ou de la présence de la tumeur. Ça, c'est pour les tumeurs de vessie non infiltrant les muscles, les tumeurs dites, entre guillemets, gentilles. Maintenant, j'ai réséqué le patient. 2 semaines plus tard, l'anatomopathologiste me répond, « Docteur, vous avez une tumeur de vessie. Vous m'avez envoyé aussi le muscle et il est infiltré. » Donc, ça devient une tumeur de vessie infiltrant le muscle. D'accord. Là, je ne vais plus me contenter de la résection. Si c'est un patient jeune, en bon état et tout, je vais lui offrir toutes ses chances de survie. Il présente une tumeur qui est très dangereuse, qui risque de progresser au-delà de la vessie, devenir métastatique. À ce moment-là, je dois être radical. Je lui dis, « Monsieur, désolé, je dois vous ôter la vessie. Cette vessie pourrait vous tuer. » Là, il va accepter. Très bien, je vais réaliser chez lui une exérèse de la vessie. Si c'est un homme avec prostate, si j'ai une femme avec l'utérus et la paroi antérieure du vagin. D'accord. Et bien sûr, je vais réaliser une dérivation urinaire parce que les uretères, je ne vais pas les laisser dans son abdomen. Il doit uriner quelque part.
Il doit uriner soit dans un petit réservoir représenté par une anse intestinale ou directement à la peau si c'est une urétérostomie. Là, c'est dans ce cas. Si c'est un patient qui est âgé, il a 92 ans, c'est un patient qui ne supporte pas un tel geste parce que c'est un geste qui est lourd de conséquences. C'est une intervention qui dure des heures, d'accord? C'est un patient qui ne peut pas gérer ses dérivations urinaires. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit faire un traitement trimodal, c'est-à-dire RTUV, radiothérapie, chimiothérapie, soit faire des résections itératives, c'est-à-dire je vais le guetter à chaque fois, je vais réséquer, je refais une cystoscopie. S'il présente une récidive, je le réadmets au bloc et je réalise une deuxième résection. C'est des résections de confort, d'accord? Pour lui garder une certaine espérance de vie ou pour diminuer le saignement et diminuer aussi les signes irritatifs. Parce que cette tumeur, elle va se développer à l'intérieur de sa vessie, elle va le priver de son espace, de son réservoir. Ça, c'est dans le cas d'une tumeur de vessie infiltrant le muscle. Maintenant, on a une tumeur de vessie métastatique. D'accord? Le patient vient directement, il me dit, voilà, j'urine du sang au docteur. Je lui dis, d'accord, je l'examine et tout, je trouve un blindage pelvien. Il me dit, j'ai mal au bassin, j'ai mal au dos, j'ai mal aux côtes. Je réalise une scintigraphie, la médecine nucléaire me répond, voilà, docteur, il présente des métastases osseuses. D'accord. Je réalise ma résection parce que je dois avoir la preuve anatomopathologique de la tumeur. Bien sûr, l'anapath va me répondre, il va me dire, oui, docteur, vous avez une tumeur qui est infiltrante le muscle. Je lui dis, oui. En même temps, je sais qu'elle a infiltré aussi les os, elle a infiltré on va dire les autres viscères, le foie, le poumon. Ce patient, qu'est-ce que je vais faire chez lui? Je vais réséquer le maximum pour diminuer l'hématurie et bien sûr, je vais réaliser chez lui une chimiothérapie palliative à base de sel de platine. Je ne sais pas si ça vous a suffi. Si vous avez des interrogations par rapport aux attitudes thérapeutiques, vous pouvez me dire. Donc, soit c'est une tumeur gentille, c'est une tumeur qui n'est pas gentille, mais localisée à la vessie, j'enlève la vessie. Si ce n'est pas une tumeur qui n'est pas gentille et qui a vraiment débordé et qui a envahi les autres organes, là, à ce moment-là, ça sera le traitement palliatif. Vous vous souvenez, traitement conservateur, radical, palliatif. C'est en fonction du grade tumoral. Le grade tumoral, c'est quoi? C'est tumeur non infiltrante, tumeur métastatique. Infiltrante et métastatique. Voilà. Donc, je suis toujours disposé à répondre à vos questions. Donc, bon, je relis les questions, pardon. Alors. Vous pouvez résumer les indications. C'est bon, s'il vous plaît, pourquoi une RTUV de réévaluation est systématique pour les tumeurs de stade PT1? Donc, pour le stade PT1, si c'est un stade PT1, on a toujours le doute que ça pourrait être un PT2. D'accord? Parce que le PT1, c'est une situation intermédiaire entre le TA, qui est très superficiel, et le T2. Donc, je dois faire une deuxième résection pour confirmer, 3 à 4 semaines, pour confirmer qu'au lit tumoral, je n'ai pas laissé de la tumeur dans le muscle. Je dois ramener encore du muscle et confirmer que c'était un T1 et pas un T2, et je suis passé à côté de ce T2. Voilà, c'est pour ça, la résection de réévaluation est nécessaire en cas de T1. Docteur, pouvez-vous nous envoyer la diapo? La diapo, donc je vais vous expliquer autre chose. Donc, pardon. Oui. Donc, la cystectomie est faite systématiquement, en plus des instillations. Là, vous parlez de deux choses différentes. Je viens d'expliquer que la cystectomie n'est pas faite systématiquement. Elle est faite uniquement en cas de tumeur de vessie infiltrant le muscle qui n'est pas métastatique. Parce que ça, il y a des localisations ailleurs sur le corps. C'est du palliatif. D'accord? Je vais faire subir au patient un geste qui est lourd de conséquences. Mais pour atteindre un résultat qui est mitigé, qui n'est pas très satisfaisant. Donc, je risque lui-même, moi-même, pardon, d'engendrer un autre problème. C'est un patient qui est taré, qui est atteint de métastase, j'irai faire chez lui un geste qui est très lourd de conséquences. Donc, quand on pèse le pour et le contre, je préfère réaliser des résections toutes gentilles, lui laisser sa vessie et le traiter par chimiothérapie. Par contre,
Les instillations, je viens d'expliquer que les instillations sont indiquées en cas de tumeur gentille, non infiltrant le muscle, et les instillations ont pour objectif diminuer le risque de progression et de récidive. Donc, il y a quelqu'un qui a dit pas cystectomie, résection de la tumeur transurétrale systématique. Voilà, c'est la résection transurétrale qui est systématique devant tout bourgeon. J'ai une tumeur qui est objectivée soit à l'échographie, soit à la cystoscopie, je dois réséquer pour confirmer d'abord que c'est une tumeur de vessie, que ce n'est pas autre chose qui est passée pour une tumeur de vessie, et bien sûr stadifier, connaître le grade de cette tumeur. Parce que quand je connais le grade, quand je saurai, j'aurai une idée à propos du grade, je pourrai par la suite proposer mon attitude thérapeutique qui sera conservatrice, radicale ou palliative. Docteur, s'il vous plaît, on ne fait pas d'uroscan dans le cas d'une TVNIM. Pour la surveillance. Si on fait dans le cadre de la surveillance chaque 2 ans à la recherche d'une éventuelle localisation sur le haut appareil urinaire. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais l'urothélium, c'est quoi? C'est l'épithélium qui tapisse la voie urinaire. La voie urinaire, elle est scindée en deux. La voie urinaire supérieure et la voie urinaire inférieure. La voie urinaire supérieure, c'est les calices, pieds longs ou bassinés et uretères. La voie urinaire inférieure, c'est la vessie et l'urètre. Toutes ces voies sont tapissées par l'urothélium. Donc, toutes ces voies sont susceptibles de développer un cancer urothélial, une tumeur urothéliale. Je ne peux pas éliminer, moi, juste à travers une résection de la vessie qui n'a pas de localisation sur le haut appareil urinaire. Je dois l'éliminer à travers un uroscanner. Si je fais l'uroscanner, je pourrai guetter et détecter d'éventuelles localisations supérieures. J'espère que c'est clair. Il en a parlé, ma connexion s'est coupée. Il n'y a pas de souci. Classe, je croyais qu'on ne pouvait pas avoir le muscle lors de la RTUV. Mais si, on est censé avoir le muscle. Mais parfois, pour des contraintes techniques ou par insuffisance, on peut réséquer. On a l'impression visuelle qu'on a atteint le muscle, mais on ne l'a pas parce que le muscle, on ne le voit pas à l'œil nu. À l'œil nu, c'est une texture qui est similaire, qui est pareille. On ne peut pas voir le muscle à l'œil nu. Nous, on va réséquer la tumeur et on va essayer d'être un peu plus profond sans bien sûr perforer cette vessie parce qu'elle n'est pas très épaisse. C'est de l'ordre de 0,5 cm, de 5 mm. Donc, je vais réséquer, bien sûr, en évitant de perforer. Parfois, en évitant de perforer, je pourrais passer à côté du muscle. Ma résection sera superficielle. Je n'aurai pas atteint toute l'épaisseur du muscle. C'est pour ça, parfois, l'anapath nous répond, voilà docteur, oui c'est une tumeur, mais vous n'avez pas réséqué le muscle. Je ne peux pas m'en prononcer. Voilà. Donc, ML, on le fait en cas de signe d'une TVS. C'est quoi le ML? Hamdaoui. Tumeur multifocale, c'est le scanner. Tumeur multifocale, tumeur du trigone, chaque 2 ans normalement. Oui, c'est ça. Donc, docteur, on a commencé par l'uroscanner. On commence par l'uroscanner ou la cystoscopie en cas d'une tumeur de voie excrétrice supérieure, concomitante avec TVNIM, vu que le diagnostic de tumeur de la voie excrétrice supérieure repose sur l'uroscanner. Merci. Donc, nous, on va commencer par une cystoscopie. Si durant la cystoscopie, je trouve que c'est une tumeur multifocale, ça veut dire quoi multifocale? Si vous vous souvenez du schéma de la vessie ouverte que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une tumeur, on trouve comme le bourgeon que vous voyez, mais un peu partout sur la muqueuse vésicale, à droite, à gauche, sur la paroi antérieure, sur le fond vésical, un peu partout. Je trouve des bourgeons un peu partout. Là, c'est ce qu'on appelle une tumeur multifocale. Et bien sûr, si j'ai une tumeur au niveau du trigone, le trigone, c'est quoi? C'est la zone qui existe entre les deux méas. Si j'ai ces deux aspects à la cystoscopie, bien sûr, je dois commencer par la cystoscopie. Si j'ai ces deux aspects, qu'est-ce que je vais craindre? Je vais craindre, je vais peut-être me dire, mais voilà, c'est une tumeur qui pourrait exister au niveau du appareil urinaire et qui est descendue à travers le flux urinaire et qui s'est implantée un peu partout dans la vessie. C'est ça la hantise, c'est ce que je crains. Je crains que ça soit une tumeur de vessie. Ce n'est pas uniquement une tumeur de vessie. C'est plus grave. C'est une tumeur du haut appareil urinaire qui s'est implantée au niveau de la vessie. Donc, je ne vais pas me contenter, moi. Ah non, c'est bon, c'est une tumeur de vessie, je m'arrête là. Non, rien ne peut éliminer une localisation supérieure. Donc, si je vois une tumeur multifocale et une tumeur au niveau du trigone, j'aurai à l'esprit que cette tumeur pourrait provenir du haut appareil urinaire. Donc, je suis dans l'obligation, ou
Je suis appelé à faire un neuroscanner afin d'éliminer. Si l'euroscanner ne trouve pas de localisation supérieure, je serai tranquille jusqu'à nouvel ordre. D'accord? C'est pour ça qu'on commence par la cystoscopie, puis on fait l'euroscanner en fonction de ce qu'on verra sur la cystoscopie. Donc, quelles sont les complications d'une dérivation urinaire? Quelles sont les précautions que les patients doivent prendre dans ce cas? D'accord, c'est une bonne question. C'est un peu poussé, mais il n'y a pas de souci. Je vais essayer de satisfaire votre curiosité. Donc, j'ai un urtère que je vais aboucher soit à la peau, soit à un dispositif de néovessie, soit à une anse intestinale. Je vais réaliser des sutures. D'accord. Ces sutures, durant leur cicatrisation, elles peuvent s'obstruer. La cicatrisation, vous savez, c'est un phénomène inflammatoire. D'accord. D'abord, on commence par l'inflammation. Cette inflammation peut obstruer la lumière des urtères. D'accord. Donc, dans ce cas-là, j'aurai un flux d'urine qui va buter contre cette obstruction et il va y avoir une dilatation. Les reins vont souffrir. Ça peut engendrer même une insuffisance rénale. On peut avoir aussi un lâchage de ce dispositif de suture. Si je ne suture pas bien, je pourrais avoir un lâchage. Durant la manipulation de l'urtère, je pourrais le priver de sa vascularisation, je vais le nécroser. Donc, je vais suturer une partie qui est nécrosée, ça va chuter aussi. Aussi, si par exemple, j'abouche, dans le cas d'une anse intestinale qui reconstitue le réservoir, j'abouche les deux urtères au niveau d'une anse intestinale. Vous savez, je vais aboucher l'urothélium à un épithélium intestinal. C'est deux choses distinctes. D'accord, même l'anse elle-même, elle pourrait cancériser par la suite. D'accord, c'est le bon Dieu a créé l'urothélium à part entière. Moi, je vais le tripoter, je vais mettre de l'urothélium avec de l'intestin. C'est contre nature, ce n'est pas naturel. D'accord, donc ça peut engendrer des complications. Il y aura le mucus sécrété par l'intestin qui va interférer avec les urines, donc encore plus d'obstruction. Les urines, si je mets les urtères, par exemple, aussi une autre complication à la peau, avant, il y avait un dispositif de vessie et tout, il n'y avait pas de flux. Les urines restaient stériles, mais là, je vais les aboucher à la peau. Qui dit peau, des germes commensaux, germes de la peau, dit manœuvre instrumentale, dit des poches, dit infection. L'infection, à ce moment-là, elle va atteindre directement le rein parce qu'il n'y a pas de phénomène anti-reflux des méas urétéraux. D'accord. Donc, on peut avoir des pyélonéphrites aussi. Donc, tout ça, c'est des complications qui pourraient survenir suite à une dérivation urinaire. Et quelles sont les précautions que les patients doivent prendre? Donc, le patient doit boire abondamment. On doit, nous, étant médecins, surveiller régulièrement les reins. S'il y a une dilatation, donc je suspecte une sténose en bas, on doit faire des ECBU, une analyse bactériologique des urines recueillies par les dérivations urinaires en vue de chercher une éventuelle infection qui passe inaperçue, parce que s'il a une infection, le patient ne va pas le savoir. Quand il avait une vessie et qu'il avait une infection, il vous viendrait chez vous dire, voilà, docteur, quand j'urine, ça me brûle, hein? D'accord, j'ai mal au niveau de la vessie. Mais là, il n'a plus de vessie. Comment il va savoir qu'il a une infection? Donc, je dois vérifier régulièrement la stérilité des urines et l'absence d'infection. La surveillance aussi doit inclure une fonction rénale régulière pour guetter une éventuelle souffrance rénale. Donc tout ça, c'est des complications. Et quand vous saurez la complication, la surveillance va en découler d'elle-même. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question. Docteur, c'est quoi une dérivation externe continente et non continente? D'accord. Là, c'est un peu poussé, mais quand même, il n'y a pas de souci, on va répondre. Dérivation externe. Donc, c'est une dérivation qui va s'aboucher à la peau. Ce n'est pas une dérivation interne. D'accord ? Interne, ça veut dire que je vais utiliser une anse intestinale, que je vais l'aboucher à l'urètre. Là, c'est une dérivation interne. Externe, elle va s'aboucher directement à la peau. Ça, c'est externe, interne. Quand on dit continente et non continente, donc si, par exemple, j'abouche les deux urtères directement à la peau, c'est une dérivation incontinente. Les urines vont s'aboucher à la peau directement. Je serai appelé à faire des poches que je vais coller tout autour de la stomie pour recueillir ces urines. Ça, c'est une dérivation incontinente. Il y a des dérivations continentes. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser l'appendice, Zeidat Dodia. Je vais le couper. Un bout, le bout fermé, je vais l'ouvrir et je vais l'aboucher à la peau. Et le bout ouvert, qui était sécal antérieurement, avant, je vais aboucher une anse vésicale
à cette anse vésicale, je vais aboucher les uretères. Donc, l'appendice, il est étroit, il est un peu épais. Donc, en traversant la peau, il va s'obstruer. Donc, pour le dériver, je vais. C'est une dérivation continente, je dois le cathétériser, je dois introduire une sonde. Le patient va uriner à travers ça. Donc, à chaque fois qu'il aura, par exemple, on va dire chaque heure, il doit vider cette petite anse qui est accolée à l'appendice. Donc, il ne va pas uriner, il va s'auto-sonder, il va se sonder lui-même. Donc, il va cathétériser cet appendice à travers une sonde, vider cette anse et le retirer. Quand il va retirer la sonde, l'appendice va se refermer. C'est ça une dérivation continente et non continente. Non continente, c'est ce qui est urétéroscomie ou le brickère, parce qu'il n'y a pas de système de continence. Quand on dit continence, ça veut dire que c'est quelque chose qui va retenir les urines. Or, l'estomie ne retient pas les urines, sauf l'estomie qui passe par l'appendice. Ça, c'est une dérivation continente. J'espère que vous êtes satisfait. Donc, l'uroscanner, on le fait chaque 2 ans après une RTUV. Oui. Pour la recherche d'éventuelles localisations sur l'voie périurinaire. Docteur, j'ai une question hors secours. Dans la varicocèle, est-ce que la vasodilatation disparaît en position couchée? Oui, la vasodilatation, les varices testiculaires disparaissent en position couchée. Pourquoi? Tout simplement parce que ça obéit à la physique, c'est la pesanteur. Donc, j'ai des vaisseaux qui sont censés faire assurer le retour veineux. En position debout, il y a un mauvais retour veineux, le sang va stagner dans ses varices, donc on aura une dilatation de ses varices. Si le patient se couche, je vais éliminer la pesanteur, le sang va regagner la veine cave à travers la veine rénale, donc je vais éliminer ce retour, c'est-à-dire je vais éliminer la pesanteur, apparition de la varicocèle. Voilà, docteur, le carcinome in situ est une TVNIM, mais avec un risque élevé de récidive. Oui, tout à fait. Le carcinome in situ, quand vous allez lire, vous allez me dire, oui, mais c'est un carcinome in situ. Mais la particularité du carcinome in situ, c'est que c'est une tumeur de haut grade. Même s'il est in situ, c'est une tumeur de haut grade. Il est plus dangereux qu'un TA ou qu'un T1. Il est aussi dangereux qu'un T1, mais il est plus dangereux qu'un TA. D'accord, le carcinome in situ, il a la particularité d'être de haut grade. Et une tumeur de haut grade, elle a un fort potentiel de récidive et surtout de progression. Voilà, c'est une très bonne question. Donc, docteur, vous pouvez nous envoyer le cours. Merci d'avance. D'accord, je vais vous envoyer le cours, il n'y a pas de souci. Et pourquoi l'instillation par BCG est contre-indiquée en cas de cystite radique? D'accord. Si vous avez une cystite radique, ça veut dire quoi une cystite radique? Une cystite radique, c'est une inflammation de la vessie qui résulte d'une radiothérapie antérieure. Vous savez, la radiothérapie, c'est quoi? Les gens qui ne sont pas instruits, ils vous disent dewitt belki. D'accord, le ki, quitte. Ça veut dire quoi? C'est des rayons. Ces rayons vont déstructurer les cellules. C'est vrai qu'elles vont déstructurer. Détruire les cellules tumorales, mais en même temps, la radiothérapie, même si on va focaliser sur la tumeur, on va atteindre aussi l'autre surface de la vessie, des cellules saines, une muqueuse saine. C'est une muqueuse que j'ai agressée, d'accord? Donc c'est une muqueuse qui est favorable au saignement, c'est une muqueuse qui peut être perforée, c'est une muqueuse qui souffre. Et tous ces phénomènes peuvent nous faire passer le BCG, qui est le bacille de Calmette et de Guérin dans la circulation systémique. C'est pour ça qu'elle est contre-indiquée en cas de cystite radique. C'est une muqueuse fragile qui pourrait constituer une fuite du BCG dans la circulation systémique. C'est pour ça qu'on élimine, c'est une contre-indication à la BCG. Docteur, le carcinome in situ n'est pas visible à l'échographie. Non, il n'est pas visible à l'échographie. Et rassurez-vous, il n'est même pas visible aussi parfois à la cystoscopie. C'est une tumeur plane. Pour le voir à la cystoscopie, il faut utiliser une lumière particulière. D'accord? C'est une lumière. On instille un produit, l'Exvix, dans la vessie. Malheureusement, nous, à l'ACA, on n'en dispose pas. Il y a, je pense, deux, trois particuliers qui en disposent. C'est un produit qu'on injecte dans l'heure qui précède la résection, et on utilise une lumière particulière dans le cystoscope. Cette lumière va nous faire paraître le carcinome in situ sous forme de taches violettes.
D'accord. Mais sinon, à la lumière normale, on ne peut pas le voir, le carcinome in situ. Il est invisible ni à l'échographie, ni à la cystoscopie. Ça, c'est une très bonne question. On ne peut le voir qu'à travers l'ex-vix. C'est un dispositif particulier qui inclut un produit et une lumière particulière, tous les deux. Donc, le diagnostic se fait par cystoscopie. Non, pas par cystoscopie seule, mais par une cystoscopie associée à une lumière fluorescente avec un produit qui est particulier. Voilà, mais en présence de thrombose, les varices persistent, n'est-ce pas? Là, je n'ai pas compris la question. Les varices en général, la varicocèle, elle est souvent à gauche. Pourquoi elle est à gauche? Parce qu'à droite, la veine spermatique débouche directement dans la veine cave. Donc, c'est un chemin direct. Par contre, à gauche, supposons que vous partez de la fac ZNIA à l'autoroute. Vous pouvez partir directement à travers Ben Aknoun. D'accord? C'est un chemin direct. Mais là, vous vous amusez à passer par Elbeuf. Vous allez avoir des embouteillages. N'est-ce pas? Alors, sachez que la veine spermatique droite part de la fac ZNIA à l'autoroute directement via Ben Aknoun. La veine cave, pardon, la veine spermatique gauche, elle n'est pas intelligente. Enfin, ce n'est pas intelligente, c'est constitutionnel. Elle se déverse, la veine spermatique gauche, elle se déverse dans la veine rénale pour ensuite, la veine rénale va drainer le sang qui provient de la veine spermatique gauche vers la veine cave. Donc, elle passe par Elbiar. C'est à titre d'exemple. Donc, il y aura des embouteillages. C'est ce qui fait qu'il y a une stagnation du sang. C'est pour ça la varicocèle, elle est beaucoup plus à gauche. On ne parle pas de thrombose. Thrombose, c'est tout à fait autre chose. Donc, docteur, bien sûr, s'il y a une thrombose pour quelconque raison, si par exemple on a une tumeur, elle ne va pas disparaître. C'est la caractéristique de la tumeur de la varicocèle qui fait suite à une tumeur du rein. Une tumeur du rein. Parce que si on a une tumeur du rein qui a envahi la veine rénale, le retour veineux de la veine spermatique gauche va être gêné par cette thrombose. C'est pour ça qu'on a une varicocèle qui ne disparaît pas en position couchée. Ça, c'est un diagnostic qui oriente vers le cancer du rein. Gauche, bien sûr. Docteur, en cas de TVNIM à risque élevé, on peut faire une cystectomie. Oui, risque élevé et très élevé, on est en droit de faire une cystectomie. Parce que quand vous dites risque élevé, c'est le risque de progression. Donc, c'est une tumeur qui présente.